Tu t'en prends deux parastamos dans ton panier là-bas, tu viens t'asseoir quand tu es venu voir des cancers. Quelqu'un qui a cancer, vous connaissez quelqu'un qui a cancer? Est-ce que vous connaissez le cancer que tu as? Madame, s'il vous plaît, il y a du bruit chez vous. Oui, bonsoir Santi. Oui, madame. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je voulais merci, intervenir. Prenez les objectifs, s'il vous plaît. Je voulais intervenir en disant que Flora peut être malade, mais pas cancer. Parce que son un cancer déjà. Vous savez, la vie et le pouvoir, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand toi-même, tu te lèves pour dire que tu as 47 maladies, bon, quand le diable va venir faire ça, tu vas accuser qui? Si tu as envie de demander de l'argent, il n'est pas interdit de demander de l'argent, mais ne sors pas avec toute maladie et c'est toi qui enfantes tout le monde, c'est toi qui fais l'acte de toute une journée, de toute une nuit. Tu es à l'hôpital, tu vas fumer. Là, je fais ça. Tu es à l'hôpital, tu vas fumer. L'hôpital. Et voilà, les médecins m'ont dit ça. Dans ça, social m'ont dit que les médecins, les infirmières m'ont dit que on voit comment on te linge sur les réseaux sociaux. Vous pensez qu'infirmière a le temps de ça? Moi, je travaille, moi, je parle et je dis haut et fort. J'ai travaillé en oncologie, j'ai fait les stages en oncologie. J'ai vu les gens qui souffrent du cancer. Arrêtez de mentir sur cette pathologie-là. Que les gens cessent. En décembre, là, c'était une qui était venue dire ici que non, elle ne va pas voir le 25 décembre. 25 décembre est passé, 1er janvier est passé. On ne sait pas où le médecin est passé pour lui dire que non, elle va mourir. On n'a pas vu la mort de quelqu'un. Que les gens arrêtent. C'est à cause de ça, les macosos, les faux pasteurs, là, gagnent les gens. Arrête d'insister, okay. Mon papa, il n'est pas faux pasteur, il ne te permet pas. Hein. Quelqu'un qui va mourir ne va pas avertir quelqu'un. C'est faux, c'est du mensonge. Flora, je ne dirais pas qu'elle n'est pas malade parce que je ne la connais pas personnellement. Je ne peux pas dire à ça qu'elle n'est pas malade. Mais cancer, là, elle n'avait qu'enlevé cancer parce que son 1, rien que c'est même le cancer des seins. Ça te met dans un état pas possible. Ce n'est pas 47, 40. Le cancer que tu vas avoir. Tu as 47 de zoophage. Ok. Attends, ton réseau n'est pas bon. J'ai pris. Pardon, faut aller me faire connexion. Par exemple, tu fais belle là, ça bloque, j'aime pas. C'est quoi? Faut bien faire le belle. J'ai dit oh. Et puis, elle ne te permet pas de monter si tu accuses mon papa, ma cousine, le faux pasteur. C'est quoi, elle vit ça là? Merci, ma soeur Déborah. J'ai pas aimé, mais pourquoi? Elle ne te permet pas, hein? À mon père, hein? Qu'est-ce que c'est? C'est un faux pasteur, comment? Libérer la vie de mon père. Non, elle se blesse sur TikTok ici, et puis c'est bon. Donc, oui, famille, tout le monde touche l'écran de son téléphone ensemble, s'il vous plaît. Touchez l'écran de votre téléphone, s'il vous plaît. On touche l'écran du téléphone. Tout le monde ensemble. On y va. Il faut. Venez. Ok. Donc, comme je disais, voilà. Donc, lorsque vous dites que, lorsque toi, Flora, tu t'assois, tu matins jusqu'au soir, ton médecin n'a pas dit qu'on lave son con, qu'on est malade. Mais toi, tu te laves pas quand tu fais live là. Comment, mais toi-même, tu as déjà fait fuir le cancer. Parce que tu es assis depuis le matin. Ouais, ni mais assis à flommer, mais ouais. Si cancer même a suivi, qu'il a là, c'était lui-même. C'est un cancer vraiment à revoir. Ça, c'est un cancer même que les chercheurs doivent toi-même, on doit te checker. Aller être toi en cherchement et puis démonter tout et puis voir même si le cancer même il supporte. Mais c'est assis depuis le matin, je me suis réveillé à quelle heure? Je me suis réveillé à 8h, je me suis promis sur TikTok qui était vu. Elle dit que depuis 8h, toi tu es assise. Tu allais prendre tes deux parastamos qui sont derrière ta télé périmée là. Tu les as avalés devant les abonnés, tu bois médicaments à coutou. Là ils vont dire, ouh, la femme elle est vraiment malade, elle a beaucoup, il a tort. On sent que tu veux prouver, on sent que tu veux montrer, mais tu n'es pas malade.
Flora Zalo, tu n'es pas malade. Moi, senti là, tu n'as pas me convaincre. Tu te portes très bien. Tu es très, très lucide. Tu sais ce que tu fais. Tu n'as aucune maladie. Tu es une menteuse, une bipolaire. Dis-nous que j'ai faim, cotisé. J'ai fait 20 ans en Europe. Je n'ai rien réalisé. Je veux que vous m'aidez à construire peut-être petit appartement parce que tout le village est en congé contre moi. Que tout mon village est fâché, ils ont fait réunion. Le chef du village dit que tant qu'il n'est pas encore construit, on va y aller mettre pied au village. Comme ça, on te comprend. Mais ne prends pas une maladie très, très complexe. Très, très. C'est-à-dire que c'est une maladie. Le cancer, c'est... tu dis des choses. Hé, hey, Flo Nguyen, tu dis des choses sans connaître le sens. Est-ce que tu vois la souffrance des gens, des cancéreux? Est-ce que tu es déjà parti dans un hôpital où il y a les cancéreux? Est-ce que tu vois les petits, comment ils souffrent? Est-ce que tu connais le cancer? Est-ce que toi, tu connais le cancer? Coucou Didi. Est-ce que tu connais le cancer? Tu mets une maladie sur toi juste parce que tu veux te faire voir. Juste pour avoir 1000 personnes en live. Juste pour avoir 500 personnes en live, ma chérie. Toi, si tu as le cancer, tu peux t'asseoir là, là. Prenez les objectifs, s'il vous plaît, famille. On prend les objectifs, s'il vous plaît. Toi, tu connais cancer? Tu connais cancer? Et quand je vois des imbéciles, des médiocres, hypocrites, d'après eux, ils te soutiennent dans quoi? Vous soutenez Flora Zalo dans quoi? Ils ne comprennent pas. Vous la soutenez dans quoi, au fait? Dans quoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Vous la soutenez dans quel plan? Sur quel sens? Je veux comprendre un peu la soutenance, d'où elle sort. Le soutien que vous apportez à Flora Zalo, là, c'est dans quel sens vous la soutenez? Vous êtes tous des hypocrites. Parce que parmi vous, personne n'arrive à lui dire la vérité. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Personne n'arrive à lui dire son vrai nom. Personne n'arrive à lui dire la vérité. Personne. Moi, je ne suis pas là pour son mari. Il n'y a rien à foutre de sa vie privée. Moi, c'est elle mon problème. Mon problème, c'est qu'elle n'est qu'à arrêter de mytho. Elle n'est qu'à arrêter de mentir. Les hippos qui disent qu'il a soutenu, vous pouvez prendre les objectifs. Tu as besoin d'argent. Les gens de TikTok, c'est des gens qui ont des grands cœurs, un grand cœur. Oui. On ne peut pas mentir. Il y a des gens sur TikTok qui ont un grand cœur. Ils aident sans rien penser. Ils aident sans rien demander en retour. C'est très simple. Dis que tu as besoin d'aide. Dis que tu as faim. Dis que tu as soif. Tu dis qu'on est libre de donner l'argent à qui on veut. Hein. Tu ne vas pas venir engueuler les gens juste parce que les gens ont soutenu une tierce personne et les gens ne t'ont pas soutenu toi. Je ne comprends pas trop. Les gens ont soutenu tant et les gens ne t'ont pas soutenu. Donc, nous, on n'a pas le droit de soutenir qui on veut parce que toi, Flora, c'est nous, on t'a envoyé d'aller tomber malade. Donc, on doit encaisser. On doit assumer. Mais tu es sérieuse là? Azerbaïdjan, c'est dans ton sérieux là? Nous là, on doit assumer parce que Flora est malade. Au plus, on va aider quelqu'un qui est dans le besoin. Mais on s'en fout au fait. Parce que toi-même, Flora, tu ne donnes pas envie d'aider quand quelqu'un t'aide. Moi, je ne me vois pas t'aider dans ces lèvres pour dire au secours, sortez, venez à Flora, venez. Non? Ma chérie, tu es très bien. Tu vas bien. Tu vas super bien. Tu te portes bien. On est libre d'aider qui on veut. On aide celui qui donne l'envie qu'il soit aidé. Je ne sais pas si tu comprends. On aide celui qui donne l'envie qu'il soit aidé. S'il vous plaît, tapez l'écran de votre téléphone, la team. Tapez l'écran de votre téléphone, s'il vous plaît. Tapez l'écran de votre téléphone, s'il vous plaît. Tapez l'écran, tout le monde ensemble, on tape l'écran du téléphone. Tapez l'écran, tapez l'écran, tapez l'écran, tapez l'écran. Tapez l'écran, tapez l'écran. Tout le monde prend les objectifs. On prend mon objectif. Ça va, Minrems? On prend les objectifs. S'il vous plaît, sécurisez mon live avec les objectifs. C'est les roses. Tout le monde en envoie et on envoie les roses. On tape l'écran, tape l'écran, tape l'écran, tous ensemble. Envoyez les roses, s'il vous plaît. Merci de demeurer.
On envoie les roses tous ensemble, envoyez les roses. Envoyez les roses, envoyez les roses, envoyez les roses. Envoyez les roses, s'il vous plaît, merci Tam. Envoyez les roses pour soutenir ma page. Je vous ai dit, je suis très restreinte. Donc, s'il vous plaît, viens envoyer les roses. Il n'y a pas d'envoyer une rose. Si vous ne voulez pas envoyer une rose, là, gardez vos cadeaux. C'est quoi? Aïe, on peut être mazo comme ça. Moi, si elle venait dire qu'il y a un cancer de sang, cancer dans mon cerveau, peut-être que là, vous allez commencer à me donner les lions, les panthères, les tigres, les maguas, les scorpions ici. N'importe quoi. Hein? Non, c'est abusé. Tu nous fais chier. Tu comprends? On est fatigué de toi, au fait. Tu es dégoûtant, tu es dégueulasse. Tu fais rien d'intéressant. Je te vois, tu assises ma tête, n'aime pas laver tes fesses. Tu viens t'asseoir, cancer. Toi, mais cancer même peut venir chez toi. Non, mais cancer prend les gens sensés. Le cancer, là, ça trie, hein. Non, le cancer, ça prend les gens qui sont bien. Toi, mais le cancer peut venir dans ta maison. Non, mais attends, là, Azabadian. Le cancer même peut venir te voir. Parlons peu, parlons vrai. Tu te lèves matin, tu te brosses même pas. Tu viens t'asseoir en live. Tout ça pour mendier. Moi, je ne t'empêche pas de mendier. Et nous, tout ce qu'on dit, envoyer les cadeaux, là, c'est l'argent des mondes, c'est pas caillou. Mais faut pas abuser. Quand nous tous on dit à nos abonnés, envoyer les cadeaux, prenez les objectifs, c'est parce qu'on veut l'argent. Donc tout le monde cherche l'argent sur TikTok. Mais il faut savoir chercher, il faut chercher honnêtement. Il ne faut pas chercher comme pour toi là. Il ne faut pas chercher comme pour toi là. Coucou Célina. Il ne faut pas chercher comme pour toi là. S'il vous plaît, tout le monde ensemble. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. On prend les roses, on prend les roses. S'il vous plaît, prenez les roses. Chacun n'est pas pour au moins 50 euros, 50 roses. C'est quand la varice ça là. Rose qui est une pièce, on ne peut pas payer ça aussi. Aïe. Vous aussi, la propriété aussi, c'est quelque chose, hein. Hein? Moi aussi, elle est venue dire cancer. Comme ça, vous allez ouvrir vos cartes bancaires. Parce que vous aimez bien la victimisation. Viens me blesser. La victimisation. Combien c'est victimisé devant vous là? Vous adorez ça. Non, mais c'est abusé, quoi. Non, mais c'est chiant, quoi. Si on te demande, toi, tu es une star comme ça. Toi, tu connais, toi, c'est la belle star. Même tu vas avoir 1000 personnes en live pendant 100 ans. Quand après, tu parles, ce que tu fais, c'est un buzz. Quand ton buzz va finir, on t'oublie. Pour se faire connaître, t'as pas besoin de créer t'as pas besoin de créer des choses sur toi. Il y a des gens, les sangs, c'est comme ça. Ils n'ont pas besoin de faire de l'effort pour être connus. Il y a des gens comme ça, c'est dans les sangs. Ils n'ont pas besoin de buzz, ils n'ont pas besoin de mentir sur leur vie. Non. Arrête de mentir sur ta vie. Tu veux l'argent, dis à tes abonnés, franchement, j'ai beaucoup eu la tort, j'ai beaucoup eu la faim. Merci. J'ai beaucoup eu la faim. Ayez pitié de moi, donnez-moi un peu d'argent. Les gens vont cotiser pour te donner. Là, tu as gagné ton argent honnêtement. Mais venir mentir sur 40 cancers là, ça, moi, je n'ai pas accepté. Parce que je vais devenir aide-soignant dans le futur. Je ne vais pas accepter que tu as menti sur la médecine comme ça. Flora Zalo, arrête de mentir. Tu mens beaucoup. Tu mens. Et puis quand tu mens, tu n'as pas honte. Tes paupières ne voient pas encore. Tu mens et tu ouvres tes yeux sur nous. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Tu mens jusqu'à... Elle compte pas te mentir sur ta vie. Mais quand une femme, même quand tu mens, il faut avoir même l'amabilité ou l'aimabilité de faire comme ça un peu à tes paupières. Tcho, 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 tcho. Mais toi-même, tu fais même pas tcho, tcho, tcho comme ça. Et puis tu... Mais merde. Toi, tu connais le cancer? C'est la question que je te pose depuis là. Est-ce que tu connais le cancer? C'est-à-dire que... Comme tu as entendu ça dans un film brésilien, tu as pris, tu as collé sur toi. Quelqu'un qui a cancer, il est hospitalisé, il est suivi, il est en chimio. Chimio quoi là? Il est là-bas. Quelqu'un qui a cancer, il finit sur lui. Est-ce que tu connais le cancer toi? Quelqu'un qui a cancer, je répète ceci, il finit sur lui. C'est ses os que tu vois, il dépérit seul. Quelqu'un qui a cancer. Pour manger là tous les problèmes. Toi, tu as cancer, tu as là-bas 17 bidons d'eau. Et tes parastamol périmés que tu as caché là. Toi, tu connais le cancer? Et puis les blancs vont t'autoriser à rentrer à la maison. Toi, tu es une comédienne, toi. Non, mais attends là. Azerbaïdjan, tu connais quand tu connais le cancer? Tu connais, vous dites des choses, des mots, sans connaître le fond du cancer. Cancer, mais tu ne dois même pas avoir cheveux sur ta tête. Tout le temps, tu as coco taillé. Tu déprimes. Tu déprimes.
tu as cancer, tu manges 17 boules d'attéqué. Toi, tu connais le cancer? Tu connais le cancer? Toi, tu as cancer? C'est un petit palu là. Petit jokwado que tu as là. Toi, tu as cancer. Et puis, tu as encore la chair sur tes ossements que tu appelles côtelette là. Toi, tu connais le cancer? Vous mettez les maladies sur vous. Vous mettez des maladies sur vous. Donc d'abord, je vais brancher mon chargeur, mon téléphone. Tu connais cancer? Toi, tu as cancer, ton yin est gay matin, midi, soir. Tu d'abats vos diamants, on dirait que t'étais une femme à Djoukou en vent. Toi, tu connais cancer? Tu d'abats vos diamants, on dirait que tu as cultivé manioc quand tu étais au pays. Et puis, même si tu as cancer là-haut, on est capable quoi? Tu es la première sur la terre à avoir cancer. Tu es la première sur la terre où nous on est. Merci Marisa. Tu es la première où nous on est ici là, à avoir cancer. Tu as cancer, on est capable quoi? Nous, on a des problèmes plus graves que cancer. Toi, c'est cancer, tu connais. Si chacun veut s'asseoir pour expliquer ses problèmes, toi, mets ton cancer là-bas, fuis. Toi, mets ton cancer là. Tu vas oublier. On est qu'à cotiser 5 000. Pour ne rien, on est qu'à cotiser 5 000 euros pour te donner. Pour ne rien. Et tu te lèves un bon matin, ton yin est bé. Les gens n'ont qu'à cotiser 5 000 euros. Tu as fait quoi dans le pays? Qu'est-ce que tu as fait? Oui, on a dansé pour qu'elle n'a pas dans son cadre de 5 000 euros. Mais il faut aller les appeler. Va appeler Nigisa, ils vont cotiser pour toi. Aïe. Non, mais tu es sérieuse là. Tu es sérieuse. Ou bien tu as une manière de blaguer. Ben, on en avril. Chacun s'en mêle de faire poisson d'avril. Peut-être que toi, tu es en train de faire poisson d'avril. Nous, on met les organes. Moi, je sais que c'est poisson d'avril. Ben, tu n'es pas bête. Tu n'es pas aussi bête que ça. Moi, je sais que c'est poisson d'avril. Tu veux faire. Hein, pour enjailler un peu la toile, payer la toile est morte. Tu sais que les Ivoiriens ont quand essayé de baler un peu. Sinon, tu n'es pas un enfant. Et toi, tu as 7, tu as 8 ans. Et toi, tu bois Baka et Fouchette. Tu sais comment on boit Baka? Non, mais c'est un petit poisson d'avril quand tu es fait pour enjailler. Aïe! Ma bête est belle! Merci! Hein? Ou bien ton gars, ton mari a une nouvelle go, il t'a empadré dans la maison, tu déprimes. Faut nous dire, nous, on trouve une solution. Oh, merci ma belle. Ton gars, une go, il t'a abandonné dans la maison, tu te déprimes. Puis tu te dis que peut-être quand tu auras 5 000 euros, il va revenir. Dis-nous. Nous, on te donne les 1, 2, 3, 4, 5 classiques. Ton mari va revenir. Tu as arrêté de nous faire chier, t'es cancer à 2 balles là. Je m'en fous. Elle est en verra. Elle me verra. Je lui dis la vérité. Elle me verra. Hein? Elle verra. Flora peut me faire. Si elle veut se battre, elle va se battre, c'est cancer. Oh, elle est venue mentir aux gens, pas flotter aux gens. Tu n'as pas, comme tu me regardes, elle te laisse un message. Tu n'as rien, tu te portes bien. Quelqu'un qui a cancer ou pas sa bouche pour parler, la personne est à l'hôpital. Les cancéreux se trouvent à l'hôpital, ils n'ont aussi TikTok. Les cancéreux que moi je connais là, ils sont à l'hôpital. Ils sont pas sur TikTok. Tu dois aller sur TikTok, c'est bien, tu te sens bien. Tu te sens super bien, ça va. Ça va chez toi. Si tu as le temps de t'asseoir à 6 heures, je vais là jusqu'à minuit. C'est que tes potes là vont bien. Si tu te sens seul, tu es une femme en détresse, dis-nous que tu te sens seul. Nous-mêmes, on va créer les lives pour toi. Coucou Bibi, tu vas bien mon cœur. Si tu te sens mal, tu es une femme en détresse, dis, on va trouver les points où tu allais te distraire. Arrête de nous faire chier. Tu n'as pas mal. Ceux qui ont donné l'argent, ils sont bêtes. Tous ceux qui ont connu pour toi, ils sont bêtes. Les parents ne meurent pas depuis au village, ça coûte qu'on disait pour te donner. Toi, c'est. Qu'on donne moi 5 000 euros. Donc, depuis que tu es venu en France, tu n'as pas épargné. Tu n'as pas des comptes d'épargne. Quand on vous dit que c'est la fin du film, on voit qui en Europe pensait que c'est amusement.
C'est pour ne pas venir s'asseoir de me demander comme ça là. C'est ça, on dit que levez-vous, allez travailler. Levez-vous, faites des investissez. Que j'ai plus de libido. C'est sûr, c'est-à-dire que c'est qu'elle est en train de marmailler pour les mentir qu'elle est malade là. Qu'elle est malade là. C'est eux. Elle va raconter ces bêtises là. Oh, merci mon cœur. C'est à eux. Elle va raconter ses bêtises. Bibi, Bibi, Diamant, tu vas bien mon cœur. Depuis que tu as commencé tes lives de cancéreuse, là, je m'en viens parler. Tu sais pourquoi il ne parlait pas? Il ne parlait pas parce qu'il a vu que toi, ta tête là, il y a l'eau dedans. À la place de ton cerveau là, il y a l'eau dedans. Hein? Tu comprends? Il y a l'eau dedans. Tu n'as même, tu n'es pas intelligente. Si moi j'étais à ta place, j'allais avoir honte. Je vais m'asseoir pour dire, il y a un cancer, on t'a côté. Toi-même là-haut, est-ce que tu ne fumes pas banga même? Tu ne fumes pas banga? La cocaïne là, hein? Est-ce que tu ne fumes pas banga, toi? Tu es une fumeuse. Merci, Tironkin. Toi, tu es une boisseuse. Donc, quand tu fumes les kali là, ça te rend très bête. Ça te rend très, très bête. C'est ceux mecs qui vont te regarder là qui n'ont rien à faire. Eux-mêmes, ils s'ennuient. Si vous voulez rayer les cancers, allez-y sur YouTube. Allez-y sur YouTube. Allez-y sur YouTube. Vous allez voir les cancéreux. Vous allez comprendre que cette fille en train de vous mentir depuis le début. Elle vous manipule. Elle veut prendre la maladie pour manger. Elle veut prendre la maladie pour s'enrichir. Elle veut prendre... Blanche Risse, bonsoir, comment tu vas? Prenez mes objectifs, s'il vous plaît. À chacun sa manière de cancer. Moi, c'est mes cancers qui sont les objectifs. Oui, oui, comme tu es cancer là. Comme tu as cancer, que moi, mes cancers là, c'est les objectifs. À chacun son cancer sur les réseaux sociaux ici. À chacun sa part de cancéreux. Moi, mon cancer, que c'est les objectifs. Une mytho, une menteuse comme toi, tu mens beaucoup. Tu mens toi, Flora Zalo. Tu manges quand tu t'étouffes dans ton mensonge. Mais attends là. Toi, tu connais cancer? Tu te lèves, ils t'ont pas mouru, ça fait des siècles et des siècles. Ton père est en train de donner poudre de maïs, ça venait embrouiller nos oreilles. Ma chérie, si tu es juive, mais dis-nous, on te cherche un bon loco, ils vont emblumer tes entrailles. Tu vas juive et puis bon, on passe à autre chose. Merci mon cœur. Merci Ferry. On coupe le live à 20h31. Parce que je dois aller suivre un live. Le live de Tomboy Fashion. L'organisateur a son live à 20h30. On va aller se blesser là-bas. Oh, merci mon amour, l'observatrice. Mon cœur, prends les objectifs, l'observatrice. Prends les objectifs, c'est ça qui est important. Hein? Tu viens t'asseoir là. Comment quelqu'un qui a cancer, toi, tu te lèves à 6. Toi, tu te lèves, donc quand on a cancer, on ne se lave plus. Mais toi, ton cancer là, c'est, mais comment? Non, Ferry, il n'y a pas passé aujourd'hui, mais l'organisateur a des annonces à faire ce soir. Il y a un candidat qui passe après demain, donc il a des annonces à faire par rapport à l'émission du samedi pour que vous puissiez vous préparer. Et par rapport à la vidéo qui a été visionnée, il vous fait le retour par rapport aux 20 minutes ou pas. Donc on a cancer de ne pas se laver. Non, attends. Donc on a cancer, c'est la plomb, c'est le matin. Tout d'abord, tout crachat de la nuit, tout pas de... Hey, il a sa poule à côté et puis on fatigue le pays. Ou bien toi, tu n'as pas de cancer là, c'est comment? C'est un cancer cabritique. Hein? Ton cancer, on dit tu dois toujours attacher le cabri. Tu ne dois pas détacher le cabri. À toi, ton cancer, là, vraiment, s'il existe dans ton corps, c'est que c'est un cancer robuste. C'est un cancer même qu'on doit mettre. C'est-à-dire qu'on doit prendre gata-gata, mettre dans ton âme et puis tirer le cancer. Et c'est un cancer très, très impoli. Un cancer très, très mal éduqué. Vraiment, c'est un cancer digne d'une histoire rocambolesque. Ah oui, ton cancer, il est dosé. C'est un cancer, vraiment. Ah, je m'incline. Je m'incline à ton cancer. On peut faire ça. On peut faire le cancer. On peut. Non, mais. On est dans. Mais pourquoi? Merci, mon cœur. On est dans quoi? Non, ne riez pas. Abonnez-vous au compte là. Il y a un live là-bas tout de suite dans 9 minutes. On va aller là-bas. Prends mon téléphone. On dit que tu es en live, non? Ok. Je vais te présenter aux gens. Toi et tes cancers. Eh bien, toi et tes cancers. Toi et tes cancers. Attends.
Une cancéreuse qui cherche PIN. Toi, tu parles de cancer, c'est un cancer au sperme. Elle dit un cancer mougousseur, un cancer positionneur, un cancer écarteur. Attends, il vient. Flora, tu vas nous expliquer. Toi, tu parles de cancer. Là. Tu as enlevé ça où? Si c'est un cancer mozambien, ou bien si c'est un cancer érocotique, ou bien si c'est un cancer pornographie, tu vas nous expliquer le cancer que tu as. Attends, je m'en vais sur ton live. Parce qu'à un moment donné, on n'a qu'à apprendre à se respecter dans ce pays. Ah oui, oui, c'est abusé. Tu abuses. Tu abuses. Tu abuses, ma chérie. Tu abuses. Mais pourquoi? On peut abuser comme ça? L'émission de notre beau là est chic d'air. Une émission caviar. Je t'ai dit ça. Hein? Mais on t'a dit que la poutine est dans quelque chose, ton cœur bat ou bien? On dit que la poutine est là. Tu penses que c'est amusement? La poutine est marraine quelque part. Est-ce que ça peut être... voilà. On va aller sur toi ton live. Mon ex-chéri ou bien mon chéri m'a envoyé des audios. Quand tu veux qu'on te protège là, hein, faut pas aller dénigrer la personne qui te protège. Parce que, tata, tu as écouté les audios. Mm-hmm. Je sais à qui j'en tellement les gens sont fatigués, m'intéressent seuls sur ton panel, ils sont étouffés. Imaginez que je décide de dire que je m'en fous de mon papa, je n'ai plus rien à foutre. Et puis je viens déposer les audios là. Lui, il va faire quoi? La fille, elle a un problème psychologique. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as allé écouter quoi la banque? Qu'est-ce qu'il y a? Non, si c'est toi, tu ne peux pas expliquer quelque chose. Non, je ne rentre pas. Elle est en direct, elle rien qui a chanté. Elle n'a pas parlé de tes sculptures. Tu ne rentres pas, tu ne rentres pas. Tout à l'heure. Au fait, c'est comme si j'ai l'impression que il veut que je fasse sortir ça. Alors que je ne veux même pas arriver là-bas. Mais je lui ai dit, si continue, aïe. Tu peux te défendre pour dire que tu n'as pas ça, il n'y a pas de problème. Mais me continuer à me dénigrer chez certaines personnes qui l'appellent. Elle est sous moi, je cours derrière lui parce que lui n'est pas amoureux de moi là. Ou bien lui n'est même pas là. Oh. Je ne sais pas pourquoi il veut me pousser à bout au fait. Il a dit oh. Les cancers là, il y a beaucoup de qualités. Tu as vraiment 42 cancers. Tu as vraiment 47 cancers, je vous explique. Les cancers là sont tellement beaucoup. Tu as vraiment 42, 47. Tu n'as pas menti. Tu as 47 cancers là, c'est maintenant je crois. Tu as 47, c'est le premier cancer de malade. Cancer goumé, cancer mougouli, cancer folie, cancer dingue, cancer salope, cancer idiote, cancer moutonnière, cancer je me lave pas, cancer visibilité, cancer stamania, cancer regardez-moi, cancer regardez mon gig. Tu as vraiment 47 cancers. Les 47 cancers là, tu as ça. Moi-même, je te donne le chakra du cancer. Le cancer même, il t'a observé. C'est-à-dire que le cancer même, il allait dans les 4, 2, 3 classiques et toi. Quand il s'est assis là, il dit, ça c'est une cible. Oui, ça c'est une cible. Tu as le cancer, hein? Tu as toi-même, le cancer même. S'il y a grand frère de cancer là, c'est à toi on a attribué ça. Ah oui, il attend du cancer. Je vais couper le live, s'il vous plaît. Donc, je ne vais pas prendre quelqu'un. Je vais faire le live demain. Il n'y a pas le monter son live pour lui dire, moi, il n'y a pas le monter si là, c'est là. De cette malade mentale, cette singleton, quelqu'un qui est en train de perdre les boulons. Quelqu'un qui est ma boule. Toi, tu es malade, c'est quelle dépine tu fais. Moi, elle m'a fait même monter si tête, me parler de quelqu'un qui est ma boule. Si elle est ma boule, elle est tolol. Elle perd l'essence, elle perd l'équilibre. Toi, t'es 42 cancers, t'es 47 cancers. Oui, tu as cancer. Parce que une cancéreuse, elle va pas penser à aller faire sa chimiothérapie. Hein. Elle va penser à quel roco qui a rentré dans son couette. Toi, t'as pas de cancer là. Vraiment, je m'incline. Ma cancer. Tata ma cancéreuse, je dépose à ton niveau. Ah oui, oui. Toi, oh, cancer, oh. Le docteur du cancer, oh. Lui-même qui a su que tu avais le cancer. Oh. Les infirmières même qui t'ont fait coucher sur le. Vous tous allez à vos cancers. On peut mentir comme ça. Tu mens comme tu respires. Alors que toi, tu as cancer. Regardez. Quelqu'un qui a. Elle en live. Ça fait 10 heures du temps. Comment cancer la même. Moi-même, si cancer la même encore dans ton corps, je ne vais pas comprendre. Parce qu'avec tout odeur là. Tout odeur là. Cancer la vie encore là-bas. Mon amour Lily Prado, tu vas bien, mon cœur. Qui va se passer contre moi? Aya, pourquoi va se passer contre moi? Aya, va se passer contre moi. Moi et ma tante, on est parti dans le même live. Hein. Ne pensez pas que comme moi et puis ma tante, on est dans les mêmes panels. Elle a sa pensée, moi et ma pensée. Hein. Ma tante, elle a même essayé. Depuis 8 heures.
depuis 8 heures. Toi, ton cancer, là, ça ne t'étouffe pas. Toi, tu as cancer, tu manges. On dirait quelqu'un qui a quitté en maison de retraite. Tu manges. On dirait quelqu'un qui a fait. Quelqu'un qui vient à récupérer la guerre d'Indochine. Tu manges à checker là quand tu t'étouffes. Toi, tu n'as pas de cancer, là, c'est comment? Non, mais c'est quoi? Quand tu te rends compte tes deux parastamos, tu viens te mettre en live pour boire devant les abonnés. Là, on dit que le cancer montait ronger ton intestin. Non, mais tu es sérieuse là? Toi, tu n'as pas de vie, quoi. Donc, vous êtes avec 20 ans en Europe. C'est nous, on vient, c'est les gens qui viennent à l'école cotiser. Ceux qui sont arrivés, ils ont 3 ans, 4 ans à cotiser pour toi. Faut pas te lever pour aller travailler. Mets tes émolettes là pour dire que toi, tu as cancer. Même dans les choses pour l'emploi là, on met aux choses handicapées. Va, tu te mets handicapé, ton salaire sera beaucoup. Que, puisque tu as 47 cancers. Parce que pour avoir 47 cancers, c'est de là même. C'est pas permis à tout le monde d'avoir 47 cancers. Toi, mais les médecins, mais doivent te les chercher là. Ils doivent t'utiliser pour faire des recherches pour les futurs. Parce qu'avoir 47 cancers, il faut te lever à 6h du matin. À 6h du matin, pour avoir le cancer. Oui, je vais bien. Non, Yasso, pourquoi tu vas rire? Tu nous as dit que toi, tu allais mourir dans 3 jours. C'est Jésus ou bien tu étais ressuscité? Non, Azerbaïdjan. Tu as été ressuscité, Flora. On peut mentir, c'est que tu mens quand tu respires. Pardon, fini, tu as été démuté. Parce que faut que moi, je comprends ton cancer là. Ça a commencé où? Ça a arrivé où? Ça s'est terminé où? Mon mari va faire live, donc je vais couper ici. Il va laisser son panel. Quand je vais quitter sur son panel, je vais te récupérer, Flora. Tu comprends? Je vais te récupérer. Fais ton mensonge là. Ça fait combien de jours je t'observe? Je pensais que tu allais arrêter. Mais tu es en train de persister dans le mensonge. Tu es en train d'insister dans le mensonge. Toi, tu persistes et tu insistes. Comme tu persistes et tu insistes dans le mensonge, moi je vais t'aider à persister. Parce que les gens qui ne te disent pas la vérité, les hypocrites qui lancent l'écho, eux, ils te soutiennent. On te soutient dans quel sens? Tu as quoi qu'on doit soutenir? Tu n'as rien, tu n'es pas malade, tu te portes bien. Tu es venu dans mon live ici, nous fait pleurer. Je dis que c'est mes larmes là qui me font mal. Tu as compris? On va mettre cette vidéo. La vidéo là, tu as fait ça en 2023. Bon, tu as demandé pardon à Dieu. Ça fait même pas encore un an. Mais tu as triplé le péché. Mais attends. Azerbaïdjan. Non, mais le monde là, on est où là? Attends. Non, attends. Au fait, mais qu'est-ce qui se passe? Ibrahim, mon amour, tu vas bien? Non, faut pas rire, ma camarade. Non, attends. Non, attends. On va se comprendre, d'accord? On va aller mollo. On va aller pas à pas. Hmm? J'ai dit, mais l'âme lâchait. Non, Flora, ton mot diable, coupe la carte. J'ai pleuré. J'ai dit, est-ce que tu me vois? J'ai pleuré. En train de pleurer. Oh Seigneur, pour nous voir. Oh my God. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Regarde ta fille. Elle souffre, elle appelle à ton secours. Elle appelle à ton secours. Faut voir Bugu, même faut cracher la fille écran de téléphone. Oh bah, tu vas nous mettre. Henri Papa, je vais te prendre. Oh papa, tu vas te prendre. Ton mot diaflore Azalo. Et dis que ton mot diaflore Azalo. Tu nous as fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Sans tu serais devenue plus belle. Laisse-moi en paix, je cherche pas la beauté. Dis à l'aide à Flora Zalo de nous laisser ses cancers. Avec ses cancers inventés. Je dis, ce jour-là, je pleure, je dis, oh Seigneur, l'homme Gugu, il faut pardonner. Pardonne ta soeur aujourd'hui, qui va mourir bientôt, parce qu'elle nous a fait croire qu'elle va mourir bientôt. Ton mot, dis-à, tu meurs quand? Flora Nyerezo. Tu vas mourir quand? Parce que tu es venu nous dire que tes jours sont comptés, que le cancer même a déjà envahi ton cerveau. C'est en train de prendre maintenant tes pieds, rentrer dans ton tibia, sortir dans tes paquets. Faut voir Gugu ce jour-là, l'onction de Gugu. Gugu, papa, c'est pas là, faut que tu peux. Oh, mais son connaît quoi. Je dis que, hey, le père parle en langue. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Gugu parle en langue. Oh, il casse mon téléphone, comment c'est pareil, pas ton père, comme ce qu'il y a. Oh, il casse, qu'est-ce qu'il y a, cause, Flora, Zalos, qu'est-ce qu'il y a. Oh, mais cause, quoi, cause, qu'est-ce qu'il y a. Moi, je me dis que, hey, qui est. Mais on est où là? Hein? Gugu nous a montré qu'on met le pasta à Makoso, on met Makoso et Gugu va blesser Makoso. Tu nous as fait croire. Il y a eu ce jour-là. Il y avait Fefe. Fefe était dans mon live. Fefe travaille à l'hôpital. Côté cancer. Côté chirurgie. Quand tu as fini de faire tes feuilletons à 2 balles, là, Fefe m'a appelé le lendemain pour dire que, hé, hey, Gola est doy. On peut mentir. Toi, tu as cancer. Toi, tu,
connais cancer. Non, c'est la partie là même. Je n'ai pas supporté. Attendez. Une minute. Il va vous remettre la vidéo. Je vous mets la vidéo encore. On va la regarder. Mon Dieu, je te demande pardon. Je vous veux ce papa. Et merci, monsieur, si tu peux rien faire pour moi. J'avais fait une vidéo, j'avais dit c'est une dernière vidéo. Celle-là sera la dernière vidéo. Cette vidéo, s'il vous plaît, on tape les crèves là. C'est comment? Mon live est signalé, vous êtes là, vous faites quoi dans le live? Si vous ne tapez pas l'écran. Tapez l'écran de votre téléphone, non? Ou bien je coupe le live. Je vais couper le live. Écrivez good live en bas. Le live bug. Écrivez good like. Écoutez, écrivez good live. Le live bug. Le live, ça bug mal. Mais arrêtez de me signaler. Wa, je vous dois. Nous tous, on a fait le live, non? C'est comment? Elle fait le live, elle fait le live, non? Laissez-moi parler ma part à mes abonnés, c'est quoi? Hein? Tout le monde peut faire d'avis avec elle. Arrêtez de me signaler. Vos mères, quoi? Il dit qu'elle laisse ma page en paix. S'il vous plaît. Je suis libre de faire live comme je veux. C'est pas votre mère qui a créé TikTok. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi en paix. Hein? Voilà. Écoutez très bien cette vidéo. On écoute ensemble cette vidéo, ce qu'elle dit dans la vidéo. Et elle dit... Écoutez. Cette vidéo sera la dernière. Je te demande pardon. Aujourd'hui, je me ridiculise devant les réseaux sociaux. Il y a moins de réseaux sociaux que j'ai utilisé pour rigoler, que j'ai utilisé pour discuter, que j'ai utilisé pour critiquer, que j'ai utilisé pour juger. Mon Dieu, j'utilise même le même réseau social pour demander pardon. Demander pardon à tout le monde. Elle a fait la vidéo le 9, le 14. 9e mois 2023. S'il vous plaît, on envoie les roses pour sécuriser le live. Tout le monde, on envoie les roses. Envoyez les roses pour sécuriser le live, s'il vous plaît. On envoie les roses pour sécuriser le live. C'est important. Tout le monde, on envoie les roses. Mettez les roses pour sécuriser. On envoie les roses pour sécuriser le direct, s'il vous plaît. Tout le monde ensemble. On envoie les roses. Envoyez les roses. Mon live est très, très signalé. On envoie les roses. J'ai dit les roses. Je demande que les roses. Envoyez beaucoup de roses, la famille, s'il vous plaît. Cette vidéo, elle a fait le 14, 9e mois 2023. Est-ce qu'on se suit? Il a dit envoyer les roses. Moi, c'est dans toi-même tes vidéos qu'il a été rattrapé. Envoyez les roses, s'il vous plaît. Merci, mon. Oh, merci, ma belle mystérieuse. Amandine, envoyez les roses. Merci, Amandine. Merci, la Pibi. Je veux seulement que les roses pour débloquer le live. Vous voyez, quand vous envoyez les roses, le live arrête de bugger. Envoyez les roses. Envoyez les roses pour débloquer. Vous comprenez que. Du 14, 9e mois 2023, elle a fait cette vidéo. Elle nous a dit dans cette vidéo que les nouvelles ne sont pas bonnes. Elle nous a dit dans cette vidéo que les nouvelles ne sont pas bonnes. Et que c'est la dernière vidéo qu'elle est en train de faire. On envoie les cœurs. On envoie les roses. Non, j'ai mis ça en objectif. J'ai mis les roses en objectif. J'ai mis les roses en objectif. Il a mis les roses en objectif. Voilà. Ok. Elle nous a dit que c'est la dernière vidéo qu'elle va faire. Et qu'elle ne fera plus de vidéos. Parce que après cette vidéo, merci Maman Zo, Jésus l'appelle à sa droite. J'espère qu'on se saisit. Hein. J'espère que vous comprenez. Et mes abonnements, ceux qui peuvent l'abonnement, il nous reste 3 abonnements pour compléter les 10. Une fois que les 10 sont complétés, ça sécurise aussi les lives. Donc s'il vous plaît, prenez les abonnements. Il reste 3 abonnements. Voilà, si vous voulez me soutenir, vous m'aimez vraiment, prenez les 3 abonnements qui restent pour sécuriser mon compte. Voilà, parce que là, je bug beaucoup. Voilà, on m'envoie les messages TikTok ici. Complétez les abonnements. Voilà, on complète les abonnements. Il y a dit visibilité restreinte. Il n'y a pas fini de parler. J'ai fait la capture, je vous montre. J'ai pas fini de parler, putain. Non, mais attends.
Moi, je veux comprendre un truc, hein. Je ne comprends pas. Vous êtes, écoutez, écoutez, vous avez vos comptes. Vous avez vos comptes TikTok. Moi, là. Regardez. Aïe, ah oui. On vient, attendez, je vais contester. J'ai visibilité restreinte. Hein. J'ai dit qu'ils sont en train de me signaler. Vous comprenez maintenant? Oui, ils sont en train de me signaler. Tu vois, regardez, je vous mets tout, je vous mets la capture. Vous allez voir. Voilà, attendez. Je mets effet. Un instant, je vous mets la capture. Vous voyez? Vous voyez? Visibilité restreinte. Vous voyez? Je n'invente rien. Hein? Ok. Que le match continue. Donc, tout le monde ensemble. Merci, maman Zo. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Quand tu dis la vérité, les gens ne supportent pas. Quand tu dis la vérité, les gens ne supportent pas, au fait. Vous voyez? Vous voyez le truc? Les gens ne supportent pas la vérité. Venez, je ne comprends pas, au fait. Ce n'est pas votre souci avec moi. Je veux savoir, au fait. Je ne comprends pas. Vous avez quel souci avec moi? Vous avez fait les lives pendant combien de jours? Un jour seulement, ils sont pour faire live là. Vous êtes embrouillé comme ça. Hein? Hein? Un jour seulement. Je sors. Vous êtes tous paniqués. C'est pourquoi? Mais attends, c'est quoi? Libérer ma vie, non? C'est comment? Donc, je vous remets encore sa vidéo. On va aller. À toute personne à qui j'ai fait du tour, je viens m'humilier devant tout le monde. Je viens pour m'humilier. Pour demander pardon. Je ne mérite pas ça. Elle porte plainte à qui? Elle porte plainte à qui? Elle porte plainte à qui, ange? Elle porte plainte à qui, à moi? Tu es malade, Flora. C'est moi qui t'ai rendu malade. Hein? Tu portes plainte à qui? À moi, Sandy? Non, chien dans ta tête. Le plainteur même que tu allais porter plainte chez lui là. Il a lui demandé que est-ce qu'on est venu prendre tes résultats dans ta chambre? Le plainteur, quel plainteur? Quel le plainte mania? Le commissaire aux plaintes. Je vais demander au commissaire aux plaintes. Monsieur le commissaire, demandez-lui si on est venu prendre ses résultats dans sa chambre. C'est tout ce que moi j'attends comme réponse. Si le commissaire a pu me répondre, on va aller en justice. Merci, Queen. Le commissaire, quand il va me répondre, on va aller en justice. On est venu, tu as vu sur les réseaux sociaux, pourquoi on en parle? Tu voulais publicité, non? Tu veux des stars, non? Allons, on fait la starmania comme tu le souhaites. Ou bien, tu as vu des stars, non? On est en train de t'aider à atteindre ton objectif. Il y a deux restrictions. Putain. Et si j'ai pas terre. Gabri, moi, est-ce qu'il peut mourir? Non. Contestation non approuvée. Ok. Pas de problème. C'est bon. Tant que ça vient, tu devrais avoir pitié de ce live. City, un faux profil qui me dit que moi, d'avoir pitié de mon live. Il y a un cas de répondre comment? Papa, quel papa est? Quel maman est? Quel tante est? Que ma soeur. C'est mon live, non? On va faire vidéo tant que c'est sur les réseaux. Elle met en live, non? Donc on va parler. Elle n'est pas malade, ne cotise rien. Si vous avez trop l'argent, allez donner dans les orphelinats. Les enfants vont vous bénir. Si vous avez l'argent, allez-y faire don à l'hôpital. Si vous avez l'argent, occupez-vous de vos familles. Si vous avez l'argent, organisez une réunion du village. Soyez les parrains, les marraines.
Si vous n'avez rien à foutre, votre argent de lui donner. Elle se porte très très bien.